Jade, merci d'être avec nous. Jade Partouche, les Russes poussent, ils sont en dynamique, si on peut dire, où exactement? Alors cette localité, vous allez voir, c'est la preuve parfaite de cette avancée des Russes. On est à Sieverné, on est à peu près à 6 km d'Avdivka. L'armée russe a pris le contrôle de cette localité hier. Alors 6 km, ça peut sembler anecdotique, mais ça illustre parfaitement bien la poussée des Russes depuis la prise d'Avdivka. Leur objectif est désormais très clair. Pousser le plus loin possible et le plus rapidement possible avant que les forces ukrainiennes affaiblies depuis la prise d'Avdivka n'aient le temps de se rétablir et de se reformer. Ils concentrent donc leur assaut sur ces quatre villes que je vous ai mises sur cette carte. C'est là où les Ukrainiens ont reformé leur ligne de défense après la prise d'Avdivka. Une ligne qualifiée par les observateurs militaires ukrainiens de décevante et problématique, raison pour laquelle, selon l'ISW, qui documente, vous le savez, jour après jour cette guerre depuis le début du conflit, eh bien selon l'ISW, les forces russes pourraient être en mesure de s'emparer de toutes ces localités d'ici quelques semaines. Une chose en revanche qui pourrait jouer en la faveur des Russes, ce sont tous ces cours d'eau que vous voyez autour de ces localités. On la voyait sur l'infographie précédente, qui entourent donc ces localités et qui forment une sorte de barrière infranchissable pour les Russes. Au nord d'Avdivka, la pression monte également. De violents combats se déroulent près de Tchassiviar. On est tout proche de Bakhmout cette fois. Les troupes russes tentent, selon un porte-parole de l'armée ukrainienne, d'avancer justement dans toutes ces localités. L'armée russe envoie des réserves et essaie de renforcer leurs troupes avec des unités d'assaut dans toutes les périphéries, dans toutes ces villes que je vous ai mis sur cette carte. C'est dans ces localités que les Ukrainiens se sont repliés après la chute de Bakhmout. Un blogueur russe affirme même que les troupes ont avancé de quelques centaines de mètres bien plus au nord, autour cette fois de Kharkiv. Des frappes sont actuellement menées, selon le porte-parole de l'armée ukrainienne, dans les directions de Kupiansk. Et des drones Shahed attaquent actuellement toute la ligne de défense des Russes. Des avancées qui se résument assez bien en une carte, vous allez la voir. Tout ce que vous voyez en jaune, ce sont les avancées des Russes sur les dernières semaines. Ça se répand véritablement comme une espèce de tache d'huile. Résultat, selon l'ISW encore une fois, d'une nouvelle technique et d'une nouvelle organisation côté russe. D'abord, l'intensité des frappes a changé. Les assauts sont menés désormais à un rythme beaucoup plus soutenu et à une intensité alternée. Série d'assauts rapprochés, puis pause, le temps de se reformer et une nouvelle fois une série d'assauts histoire de ne pas desserrer l'étau autour des Ukrainiens. Et puis les groupes d'assauts ont également été renforcés de la taille d'une escouade, donc une quinzaine d'hommes. On est passé à la taille d'un peloton, derrière une trentaine de personnes. Donc il y a un doublement d'effectifs sur le terrain pour percer cette défense des Ukrainiens qui, je vous rappelle, souffrent d'un manque d'obus évident et qui leur empêche en fait de tenir en tout cas la même cadence que les Russes sur le terrain.